8 Guadeloupéens sur 10 soutiennent le mouvement de grève qui agite actuellement les services du CHU. C'est ce que révèle une enquête Calistat réalisée sur le mois de juillet sur la question « Quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus aujourd'hui ?» Et voici ce qu'il en ressort. Pour la première fois, les préoccupations de santé liées à la santé et à l'eau sont aujourd'hui les premières préoccupations des Guadeloupéens. Depuis donc 15 ans, si on pose les mêmes questions, les questions de pouvoir d'achat, de chômage et d'emploi ont toujours été en première position, et là, effectivement, la santé et la problématique de l'eau sont les premières préoccupations des Guadeloupéens. C'est le principal changement, c'est aussi lié au bruit médiatique. Le préfet parle beaucoup du SIAG, enfin, pense le dissoudre, et on en a parlé depuis une dizaine de jours. Et évidemment, le fait qu'il y ait une grosse mobilisation au CHU aujourd'hui joue aussi, et fait que la problématique de la santé se retrouve maintenant en première position, enfin en seconde position exactement. Des préoccupations influencées par le rôle des médias donc, et tous les viseurs sont tournés vers un seul sujet qui ne laisse personne indifférent. Donc à la question « qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en Guadeloupe ?», la réponse est presque la même pour tout le monde. Le sujet d'actualité qui est le CHU. Le CHU, pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de malades et de voir qu'il n'y a pas vraiment de soins, bien que tout le monde fait son possible, mais... C'est triste de voir que les services ne sont pas opérationnels pour le personnel. Je pense que l'actualité le démontre, hein, c'est le CHU. Le problème du CHU, parce que c'est un problème qui concerne tous les Guadeloupéens, hein, puisque nous sommes amenés malheureusement quelquefois à être dans une situation de santé. Donc voilà, c'est le sujet numéro un. Et puis le deuxième sujet, c'est évidemment le problème de l'eau. Ouais, donc ce sont deux sujets qui sont d'actualité, donc ce n'est pas très original, hein, mais c'est aujourd'hui la préoccupation de tous les Guadeloupéens. C'est le CHU, je viens de passer devant et on ne peut même pas circuler dans la rue à force de gens qui sont motivés, qui se demandent le pourquoi du comment, hein. C'est difficile. Mais au-delà de l'impact médiatique, d'autres facteurs poussent les Guadeloupéens à se préoccuper de leur système de santé. Il y a à mon avis des causes socio-démographiques et des causes socio-économiques. Socio-démographiques parce que la population vieillit et que la problématique de la santé devient centrale. Les gens ont de plus en plus besoin de services de proximité, ont beaucoup plus besoin de soins de proximité et il est incontestable que les difficultés que connaît l'hôpital public est de nature à créer un contexte, en tout cas un climat anxiogène au niveau des personnes âgées. La santé a donc pris une place considérable dans le champ des préoccupations, surtout depuis les événements de ces derniers jours. Les thèmes de l'insécurité et de la vie chère ont en revanche chuté dans les sondages, mais n'ont pas pour autant quitté l'esprit des Guadeloupéens.